femmes ne furent pas les dernières à se mêler à ce courant irrésistible. Prisonnières de leurs traditions ancestrales, elles virent dans ce mouvement placé sous le signe de l'égalité l'occasion de hâter l'heure de leur émancipation. Pour elles, comme pour leurs sœurs du Maroc ou de Tunisie, le symbole de leur asservissement aux coutumes du passé est le morceau de tissu qui recouvre leur visage. Pendant ces heures de fièvre et d'exaltation, on vit dans toute l'Algérie bien des visages se dévoiler. Pendant des jours et des jours, le forum d'Alger fut une sorte d'immense creuset bouillonnant où des éléments de nature différente entraient en fusion sans que l'on pût savoir ce qui résulterait de cette synthèse. Laïque et républicaine, qui prête à polémique depuis plusieurs jours, cette intégration a agité cet après-midi les bancs de l'Assemblée nationale. L'occasion, les questions d'actualité auxquelles a répondu le ministre de l'Éducation nationale. Dans un entretien au Nouvel Observateur, Lionel Jospin avait déjà invité à la tolérance tout en interdisant l'agitation confessionnelle. Approuvé par certains centristes, mais désavoué par plusieurs socialistes, son acceptation de fait du voile à l'école a remis de l'huile sur le brasier laïque. Pascal Guimier. Quand les socialistes affichent leurs différences, leurs divergences, ils ne passent pas inaperçus. Deux hussards noirs de la République à l'Assemblée, ci-devant députés du Puy-de-Dôme. Pour eux, autoriser le port du voile à l'école, c'est faire de la discrimination, ni plus ni moins. Ah ben, Lionel Jospin, il fera ce qu'il voudra, hein. Moi, c'est ma position de vieil instituteur public. Contre le voile aussi, donc contre la conciliation façon Jospin, Yvette Roudy, mais là, c'est au nom des droits de la femme. Contre Lionel Jospin toujours, les pop-rennistes. Pour eux, laïcité égale tolérance, l'école sera donc laïque ou ne sera pas. Laïcité, tolérance, Lionel Jospin évidemment n'a pas dit autre chose, mais lui doit s'accommoder d'une contradiction. Tiraillé entre un principe sacro-saint à gauche et une réalité, le ministre, en édictant la règle, est bien obligé de prévoir en même temps les exceptions qui la confirment. Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ses enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ses enfants. Pour permettre aux mamans portant un voile de participer aux sorties scolaires de leurs enfants, débat, on le sait, relancé par un incident provoqué par un élu du Rassemblement national. C'était vendredi au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, dans la salle. Une femme voilée avec un groupe d'enfants venus assister à cette réunion du conseil régional et donc l'interpellation de l'un des membres du bureau du RN, Julien Audoul. Il s'adresse à la présidente. Madame la présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Alors, Julien Audoul qui ne regrette rien.
cette dame, quand elle accompagne donc les enfants dans un hémicycle régional, une institution de la République, dans ce contexte-là, soit c'est de la profonde naïveté, et c'est assez grave, et c'est aussi de la naïveté du corps enseignant de lui dire il faudrait peut-être retirer ton voile pour rentrer dans l'hémicycle, soit c'est une provocation. Et on ne peut pas, juste au nom du fait qu'on est ouvert, tout tolérer. Mais c'est ça votre problème. D'être ouvert, c'est que je vois bien quelle est la pelote qu'on est en train de défaire. Dans cette pelote, il y a aussi la question du droit du sol. Dans cette pelote, il y a aussi la question des prénoms. Dans cette pelote, il y a tout ce qui fait justement le fait qu'on a pu vivre ensemble pendant des siècles, grosso modo, pas trop mal les uns avec les autres. Des siècles, Gérard. Mais, pardonnez-moi. Bah, écoutez, excusez-moi, ça fait combien de temps que nous avons colonisé l'Algérie? Ça fait quand même un petit peu plus que quelques années. À l'époque, donc c'est tous ces gens dont vous m'expliquez que leur tenue n'est pas française. À un moment donné, ils étaient tous français, français de bas niveau et français sans les mêmes droits que les gens de la métropole, mais ils étaient français. Ne me comparez pas les colonies, je vous explique qu'effectivement, je me permets de vous dire qu'une grande partie de ceux que vous visez là, ont contribué à... C'est tellement pas le sujet, en fait. Mais si, c'est tout à fait le sujet. Non. Ils ont contribué, effectivement, à l'économie de la France, ils ont contribué à la libération de la France, ils ont contribué tous les moments de notre histoire, et qui font partie, avec leurs caractéristiques propres... Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, vous pensez que c'est un hasard, si c'est pendant France-Algérie que le terrain a été envahi et la Marseillaise sifflée? Vous avez remarqué qu'en prenant France-Portugal, il n'y a pas de problème. Prenant France-Italie, il n'y a pas de problème. Pourtant, on a eu une immigration. Mais oui, mais le problème, Gérard... Ne parlez pas du foot, parce que j'ai vu, excusez-moi, quand on a reçu les Russes ou d'autres supporters, je les ai vus se conduire à Marseille absolument comme des bêtes féroces. Donc, ce n'est pas ça la question. Ce que je mets en évidence dans ce que vous dites, c'est que votre discours et celui d'un certain nombre de gens en arrivent effectivement à vouloir exclure du lien social des mesures discriminatoires une série de nos concitoyens. Excusez-moi, c'est pas du tout exclure, au contraire, c'est très inclusif. Pays, c'est la loi. Je vous parle pas de moi. Alors changez la loi. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je voudrais que la loi change. Oui, pour tourner le dos au multiculturalisme, pour réaffirmer ce qui n'a jamais été fait, quelle est la culture française, et dire notamment que le voile ne fait pas partie de la culture française, puisque jusqu'à preuve du contraire, le voile ne fait pas partie de la culture française. Là, on peut régler ce problème, finalement, des signes ostentatoires dans l'espace public, parce que pardonnez-moi, mais les signes ostentatoires des religions juives et catholiques ne dérangent personne dans l'espace public. Ils ne dérangent personne parce qu'on considère effectivement, c'est quand même formidable de dire ça, c'est des signes ostentatoires aussi. La laïcité n'est pas du tout en contradiction avec le fait de se promener dans la rue de telle ou telle façon. Mais vous allez faire une police du vêtement. Vous allez m'expliquer qu'il y a effectivement une tenue vestimentaire qui est la tenue vestimentaire française. Non. Et après, vous allez dans le sens effectivement de ce qu'on nous raconte, qu'il y a des prénoms qui sont les vrais prénoms français. C'est vrai, c'est la vérité. Je vais pas vous dire qu'il y a une tenue, il n'y a pas un uniforme français. Je vais vous dire, en revanche, il y a des tenues qui ne sont pas françaises. Ça, c'est une certitude. Oui, le camis, les tenues salafistes, ce n'est pas français. Pardonnez-moi, c'est très récent. Et on a pour l'instant plutôt à s'en plaindre, déjà. Est-ce que dans un premier temps, il faut déjà interdire effectivement les sorties scolaires, extrascolaires, comme on dit, aux femmes, aux mamans qui portent un voile? Il faut l'interdire ou pas? Mais bien sûr, moi je pense depuis longtemps qu'il le faut. Et par ailleurs, je pense que si vous voulez, ce n'est pas interdire aux mamans, c'est l'interdire aux mamans qui portent un voile. Le voile, ça se retire. Compris, oui, qui portent un voile. Oui. Mais pardon, mais en fait... Donc pour l'interdiction du voile... Le voile et l'islam, est-ce que c'est une prescription religieuse ou pas? Le CFCM... va donner son avis. Ce ne sont que des hommes. Hein. Donc c'est toujours des hommes qui décident pour les femmes, même en islam. C'est vrai que ce ne sont que des hommes au CFCM. Ça n'est pas faux. Et puis il se prononcera aussi sur des mesures contre le communautarisme, répondant d'une certaine manière aux vœux d'Emmanuel Macron. On a tous le même cerveau, heureusement. Bon. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour aborder.